il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de mouvements et d'associations de femmes et d'associations féministes qui sont très actives. Bon, il y a des couples dont parlait Laurence, qui travaillent pour l'avortement. Il y a beaucoup de groupes aussi qui travaillent dans ce contexte de guerre, qui travaillent pour la paix et contre la violence, contre les violences conjugales, etc. Alors, beaucoup de femmes ont établi aussi, c'est intéressant je pense, des liens avec les villes. Auparavant, ces organisations locales étaient plus isolées. Maintenant, il y a plus de transversalité, justement. C'est fini.